Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir tout le monde. Et bien, puisque notre moteur est déjà en route et on est sur le bateau Daphné, on vous invite à faire un voyage dans notre pays, en Russie, avec la musique à travers des images et notre imagination. La musique souvent aussi permet à ressentir des sensations parfois nostalgiques, parfois romantiques, parfois de colère. Il y a plein de caractéristiques aussi que la musique peut avoir. Donc on vous propose une pièce de Yevgeny Dirbenko, une pièce nostalgique et romantique avec toute notre âme russe qui s'appelle Prélude. Bonjour et bienvenue à bord de notre voyage entre Paris et Moscou. Prenez les places, installez-vous. Des gens qui se mettaient pour défendre leur patrie. Donc c'est beaucoup de sensations patriotiques à l'intérieur. On peut écouter les sons de cloche, quelque part les femmes qui déplorent leur mari qui part à la guerre, c'est les bogatéri, c'est les chevaliers russes, en quelque sorte. Voilà. Et les vieux sages qui décident s'ils vont faire la guerre ou pas avec les envahisseurs. Donc il y a un conseil des sages qu'on entendra tout au début. Mais tout au début, tout était calme. Tout était calme, il faisait beau. Les oiseaux qui chantaient. La rivière qui brillait au soleil, et tout d'un coup il y avait des nuages qui arrivent, la sombrité, et puis une inquiétude dans l'air. Cette inquiétude vous allez ressentir aussi musicalement. Donc on vous laisse à votre bon gré d'imagination d'écouter l'histoire de la Russie.